Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. À toutes et à tous, bonjour mesdames et messieurs, vous suivez Entre les lignes, votre émission qui vous permet donc aussi de comprendre l'actualité de façon approfondie autour d'un invité, qui va décortiquer les questions d'actualité, les questions que vous suivez au quotidien qui sont justement à la une. Voilà, deux grands sujets sont, comme vous le savez, à la une cette semaine. C'est bien évidemment le sommet Afrique-États-Unis qui se tient à Washington où une quarantaine de chefs d'État prennent part. Parmi ceux-ci, le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Deuxième sujet, c'est le discours du président de la République à la nation avant de s'envoler pour les États-Unis. Il a dressé l'état de la nation pour toute l'année 2022, économie, santé, culture, sécurité, environnement. Le chef de l'État a brossé les secteurs de tous les secteurs, la plupart des secteurs, si pas tous les secteurs, de la vie nationale. Pour parler de ce sujet, de ces deux sujets d'actualité, nous avons ici sur ce plateau Maître Eric Bamanaï, avec qui nous allons d'abord commencer avec d'abord Maître Eric Bamanaï, qui est un soutien au chef de l'État et qui soutient la vision du président de la République, Maître Bamanaï. Ça fait très longtemps qu'on a été avec vous, mais merci pour cet honneur que vous nous faites ce matin. Merci Dan, merci pour l'invitation. Et encore une fois de plus, je vous suis très reconnaissant. Je salue Monsieur le DG, doublé d'une autre casquette, le président de CESAC, Christian Bossembe, là où il est. Je salue toute l'équipe technique qui vous accompagne. Je n'oublie pas mon épouse et ma fille. Et je salue aussi le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là où il est aux États-Unis, et il est allé participer au sommet USA-Africa. Mais je n'oublie pas aussi, où je ne vais pas passer sous silence ces moments, si je ne salue pas et je n'encourage pas nos compatriotes qui sont menacés, qui sont sous le bruit des armes, les crépitements des balles à l'est de la République démocratique du Congo, sous cette agression barbare qui nous est imposée par un État voyou, dirigé par un président voyou qu'on appelle Kagame. Donc, j'ai dit à nos compatriotes que le bout du tunnel commence déjà à être visible. Donc, au-delà de ce que Kagame et compagnie avaient pensé, et la fin de toute chose approche déjà. Et je ne vais pas aussi sur votre plateau passer sous silence nos autres compatriotes qui sont dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Ici je parle de ceux qui sont à Kwamutu et qui sont aussi à tout moment attaqués, tués sauvagement. On ne sait plus, depuis un certain temps, on est entré, nos services de sécurité sont en train de travailler pour localiser la source réelle de cette insécurité d'où ils proviennent, puisque la journée, ils sont vraiment irrépérables, si vous voulez bien. Alors que nous avons appris qu'il y a peu, Kagame est allé acheter une bonne partie des terres le long du fleuve du côté Congo-Brazzaville. Oui, oui. Et souvent, la majorité de ces incursions vers Kwamutu se font la nuit. Qui sait si c'est déjà une autre base
du M23 qui se trouve de l'autre côté, je ne dis pas. C'est une question, je suis en train de réfléchir à haute voix. Donc tout ça là, nous n'oublions pas nos compatriotes. Nous n'avons pas oublié nos compatriotes qui sont de l'autre côté ou qui sont à Kwamutu. Nous leur disons que bientôt, toutes ces aventures macabres et barbares des Kagame vont prendre fin et touchent déjà à leur fin en République démocratique du Congo. Maître Bamanaï, dans Entre les lignes, je commence avec vous directement sur cette question. Vous m'avez mis la puce à l'oreille, la question de l'Est de la République démocratique du Congo, où le chef de l'État, une fois de plus, accusait le Rwanda. Mais entre-temps, sous les terrains, l'M23 campe sur leur position, malgré les résolutions de Luanda. Finalement, quelle solution on peut envisager pour résoudre la crise, Maître Bamanaï? Merci beaucoup, Dan. Vous savez, moi, ici, je voulais revenir seulement, ou je voulais revenir à plusieurs adresses du président de la République. D'accord. Ces différents discours. Je peux prendre le plus récent, ici, le 3 novembre, et celui prononcé il y a quelques jours ici, devant les deux chambres de parlement réunies en congrès, où il n'a pas cessé de rappeler que face à l'agression barbare qui nous est imposé par le Rwanda sous les labels du M23 à l'est de la République démocratique du Congo, il avait levé deux options. L'option diplomatique et l'option militaire. Je pense que l'option diplomatique a fait que le président ne pouvait pas dormir sur son laurier. Il était tout le temps dans les avions. La mauvaise langue de la République démocratique du Congo, que ce soit parmi les politiciens ou encore les populations manipulées, l'ont même surnommé Congo Airways, lui ont donné tous les noms. Les Congolais sont vraiment, les Congolais dans les commérages ou bien dans les histoires terre à terre, nous sommes champions. Mais nous devons faire très attention puisque lorsqu'on parle de la République, on doit y mettre beaucoup de sérieux. Ici, je voulais ouvrir une petite parenthèse. Vous savez pourquoi dans des grandes réunions internationales, la RDC n'est pas toujours écoutée, n'est pas toujours prise en compte? Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des réunions, même lorsqu'il faut s'organiser en atelier ou bien en panel, les Congolais souvent vont faire du shopping. Je suis sérieux dans ce que je vous dis. Vous verrez même les délégations ministérielles, ils vont faire du shopping. En leur lieu et place, souvent c'est un pays qui n'est même pas le Congo qui prend la place. C'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Nous, vous voyez, les Congolais, nous devons d'abord commencer par nous prendre au sérieux. Lorsque nous parlons Congo, lorsque nous parlons patrie, nous devons vraiment être sérieux, même de par notre, ce qu'on appelle gestuel. C'est que nous, donc notre expression faciale doit communiquer, doit montrer aux autres que nous sommes sérieux et que nous parlons avec notre cœur et non avec notre bouche ou bien avec nos lèvres. Vous comprenez? Donc, la question de l'Est, c'est une question très, très capitale. Et je reviens sur ce que j'étais en train de dire tantôt, que le président de la République, au cours de ses différents discours, il a dit qu'il avait levé deux options, l'option diplomatique et l'option militaire. L'option diplomatique a fait ses preuves et continue à faire ses preuves. Mais l'option maintenant qui est la plus importante pour moi, c'est l'option militaire. Puisque n'entendent, ou ceux qui tiennent les armes, n'entendent que le langage des armes. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas négocier avec les ennemis tout en étant en position de faiblesse. Nous avons eu Nairobi 1, nous avons eu Luanda 1, nous avons eu Luanda 2, nous avons eu Nairobi 2, nous avons eu Nairobi 3. Nous avons même suivi le président burundais en train de se moquer de nous en disant que la RDC n'a pas une armée, il faut que la force d'intervention, et comment on appelle ça, de l'EAC, reste jusqu'à ce que le Congo aura une armée. Donc toutes ces troupes ici, tout ce que nous avons ici, ce sont des statuts, ce ne sont pas des militaires. Ça, c'est vraiment une sorte de manque de respect. Moi, je pense que le Congo, nous devons nous lever. Les Congolais, nous devons nous lever. Nous devons soutenir nos phares d'essai. Nous devons être derrière le commandant suprême de nos forces armées,
ou de nos forces de sécurité, si vous voulez, bien des forces armées et de la police nationale, les soutenir et intérieurer les chefs. Et maintenant, pour chiter, donner la réponse finale à votre préoccupation, je pense qu'au-delà de tous ces arriérés de la diplomatie que le président est en train de vider, l'option qui reste la plus meilleure, c'est l'option de la guerre. Nous n'avons plus besoin de parler un langage diplomatique avec des gens qui ne comprennent, qui n'ont leur intelligence debout que lorsqu'il s'agit, qui comprennent que lorsqu'il y a des armes, lorsqu'il y a des crépitements de balles et des bombardements, si vous voulez bien, des bombes qui tombent par-ci, par-là. Alors, je pense que sur ce point-là, je crois avoir répondu à la question. À la question. Maître Bamana, on va rester sur les deux options que vous avez parlé. Vous avez parlé récemment, l'option militaire, l'option diplomatique. Vous proposez qu'on privilégie l'option militaire. Oui. Est-ce que vous êtes sûr qu'en temps actuel, si l'option militaire est privilégiée, ça veut dire que nous attaquons le M23, après nous allons attaquer peut-être le Rwanda. Est-ce que toutes les dispositions sont réunies pour que cette guerre soit vaincu. Est-ce qu'il y a eu une étude pour que cette guerre, en la faisant, nous puissions la gagner? Parce qu'on ne voulait pas, on ne peut pas faire la guerre pour la perdre. Merci beaucoup. Le président de la République, lors de son adresse, je crois aussi d'IAP, il a dit qu'il avait demandé au chef d'état-major général d'activer rapidement le 26 centre de recrutement. Ça veut dire que nous avons 26 provinces. Donc, dans chaque province, il devait y avoir un centre de recrutement. Tout ça, c'est quoi? C'est pour essayer de gonfler les rangs de l'armée. Donc, nos troupes devraient être non seulement beaucoup en nombre, mais ils devraient aussi avoir une formation qualitative et être aussi bien équipés. Récemment, là, le président s'était rendu à Baki, base de Kitona à Mwanda. C'était pour aller faire quoi? C'était pour aller saluer, encourager et soutenir les plus de 10 000 recrues qui se trouvent là-bas, qui ont répondu à l'appel du chef. Son appel du 3 novembre 2022, où il avait demandé, où il a lancé l'appel à la mobilisation et à l'unité nationale, à la mobilisation générale et à l'unité nationale. Ces jeunes gens n'ont pas attendu comme les autres politiciens qui pensent que pour aller là-bas, il faut organiser un cadre de concertation, parler qui est un format. Non, non. Et ils ont dit, comme les Congolais disent, Pona Ekolo Tokokufa. Donc, Makila Mabiso Pona Ekolo. Vous comprenez, ils ont répondu à l'appel du chef de l'État. Il y en a qui ont pris la route de Kitona, il y en a à l'est de la République démocratique du Congo, au Katanga, au Kasaï oriental, et que sais-je, je crois que c'est presque toute la République où les jeunes sont allés se faire enrôler massivement à l'armée. Et ici, ils le relèvent maintenant de la responsabilité des dirigeants. Vous avez entendu la chanson qu'ont tourné les militaires à Kitona, où il disait, en train de chanter, Fachi, donne-nous les armes, qu'on entre au Rwanda, afin qu'on puisse en finir. Donc les militaires sont déterminés à en découdre avec les rebelles et les Rwandais. Qu'est-ce qui bloque au niveau de l'exécutif? Merci beaucoup, Dan. Ici, il faut rappeler que lorsque nous sommes arrivés, ou lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé aux affaires, il a trouvé qu'on avait quelque chose qui ressemblait à une armée, mais ce n'était pas une armée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des accords qui avaient été signés en 2009 avec l'ancien ministre de la Défense. J'en ai déjà répété ici plusieurs fois sur votre plateau ici, où on donnait même la facilité, comment je vais dire, à l'armée, la possibilité au service des renseignements rwandaises et à son armée de contrôler, de sécuriser les pays, de contrôler nos neuf frontières. Donc ça veut dire que la RDC n'avait pas le contrôle de son appareil sécuritaire. Vous comprenez? Et en tant que tel, qui gérait... Il y a quatre ans passés, en tant que tel, qui était en train de gérer la logistique? En tant que tel, quand je dis la logistique, donc c'est celui qui gère les armes. Donc, on peut vous donner une arme, par exemple, on vous donne un AK-40.
on vous donne les balles d'une revolver. Vous arrivez sur le terrain, le temps de réclamer le munition, d'abord, il y a une trahison, on vous envoie, carrément, on vous livre entre les mains de l'ennemi. Vous arrivez, le temps de chercher à vous organiser, on vous tue, on récupère les armes et l'ennemi gagne du terrain. Nous en avons vu, nous avons suivi. Récemment ici, le président était encore dans quel pays, où quand il a appris que le général Yav était sollicité par qui? Par le M23, bien entendu par leur chef, pour lever les pieds pour que le M23 puisse entrer à Goma. Et c'est pour cela qu'il a été arrêté. Il est actuellement en prison. Je pense que le ministère public ou les services de renseignement, bien entendu, continuent à faire leur travail. Et c'est lui ou bien les informations qui ont été envoyées au président de la République n'étaient pas des informations montées de toutes pièces. C'était des vraies informations. Donc, à cela, nous voulons dire que et par rapport à votre question, qu'est-ce qui manque pour qu'ils ont réclamé les armes? Oui, les armes sont là, le peu que nous avons et ce qu'on a ajouté et on continue à ajouter. Mais ce que nous avons déjà, ça nous permet de nous défendre. Mais seulement, il a fallu commencer par faire le nettoyage au sein de nos forces de sécurité. Alors, puisque la mèche était vendue à tout moment par ceux qui étaient censés être les commandants des zones opérationnelles. Alors, voilà pourquoi il y a eu ce qu'on appelle des réformes au sein de nos forces de sécurité. Il y a eu un nouveau chef d'état-major général, même dans des zones opérationnelles. On a changé toute la chaîne des commandements. D'accord, j'ai compris, Maître Bamanaï. Oui. C'est M23. Dont on parle là. Vous avez évoqué l'option militaire. Oui. L'option choisie par le gouvernement, c'était celle de faire appel aux troupes de l'État de l'Afrique de l'Est, notamment l'Ouganda, le Kenya, le Burundi, qui sont déjà là depuis le mois d'août. Ça fait 4 mois qu'ils sont là. C'est une question que j'ai toujours posée. Ils sont là, à côté des casques bleus de la MONUSCO. Mais malgré ça, il y a des civils qui ont été tués à Kichiché. Plus de 170 personnes ont été tuées à Kichiché. Or, nous savons que la mission de la MONUSCO, c'est de protéger les civils. Dans cette MONUSCO, finalement, le secrétaire général des Nations Unies avait raison pour dire que ces M23 ont des armes plus sophistiquées que celles de la MONUSCO. À ce niveau-là, c'est un manque de volonté ou c'est peut-être l'incapacité de pouvoir pacifier, protéger les populations. Dan, merci beaucoup. Je pense que au début de mon propos de tout à l'heure, je parlais d'un vaste complot, si je ne l'avais pas dit, mais qu'il me soit permis de parler de ce vaste complot. Et ce vaste complot ici, la tête de l'iceberg que nous voyons, nous ne voyons que le Rwanda. Mais cet iceberg est assis sur une bloc de glace dont les dimensions ou le volume n'est pas connu. Vous connaissez l'histoire des bateaux Titanic? Titanic a vu la tête de l'iceberg. Croyant qu'ils étaient loin, le temps de chercher à freiner, or, le coq du bateau était déjà au pied de l'iceberg. Sur la montagne, avait déjà cogné la montagne de glace et il y a eu ce que vous connaissez, des pertes énormes en vie humaine. Donc ici, j'aimerais vous dire que le Rwanda ici n'est qu'une petite partie infime, mais le complot est vaste. Derrière ce complot, moi je peux vous citer, il y a l'Ouganda. Même les Kenyans là, ils ne sont pas honnêtes avec nous. Burundi, n'en parlons pas. Puisque les déclarations de l'actuel président du Burundi, le général Ndayishimiye, je n'ai pas aimé ça. C'est vraiment ce qu'on appelle le manque de respect à l'endroit d'un homologue et d'un pays voisin et des Congolais que nous sommes. Ça, je ne pouvais pas, moi, admettre cela. C'est une façon de nous insulter, une façon de nous faire voir que vous êtes des moins que rien, vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des des femmes en pantalon. Vous comprenez? Alors, je vais encore aller plus loin pour vous dire que le complot est vaste. Kenya qui est arrivé, l'Ouganda qui est arrivé avec le UPDF. Mais laissez-moi un peu évoluer. Et Burundi qui est arrivé au sud là-bas, de Cuba. Et nous avons, je ne sais pas encore quelle armée qui arrive. Mais je vais vous dire, qu'est-ce qu'ils sont venus faire au-delà de M23? Puisque nous avons notre attention focalisée seulement sur le M23, nous oublions que, à part la rébellion locale où les Congolais ont pris les armes, nous avons au moins plus de 5 ou voire même 6 mouvements de rébellions étrangères sur notre sol. Je peux bien vous les citer. Vous avez les FNL.
c'est un mouvement étranger. Vous avez les ADF, c'est un mouvement de rébellion étrangère ougandais. Vous avez les M23, là ils se partagent la responsabilité entre l'Ouganda et le Rwanda. Vous avez les raids de Tabara, ce sont des rebelles venant du Burundi. Et vous avez les Ngomino, ce sont les Rwandais sous forme de Banyamulenge qui opèrent dans le plateau de Minembwe là-bas. Mm-hmm. Vous avez si peut-être je n'ai pas retenu, mais je vous cite d'abord ces cinq là. Est-ce que depuis que l'armée burundaise est arrivée au sud de Kivu, combien de raids Tabara ont-ils tué? Parce que les Rwandais, ces rebelles-là, sont en activité au sud de Kivu. Nous sommes en train de perdre notre temps pour rien avec cette histoire de EAC. Je demande au président de la République de se retirer de cette histoire et de voir les commanditaires, ceux qui dirigent le Rwanda, ceux qui sont derrière le Rwanda. Aujourd'hui... Mais pourquoi alors la MONUSCO, dont la mission est connue, la MONUSCO a la mission de protéger les populations et d'assurer la stabilité d'un pays? Oui, sur le plan rhétorique, oui. Hein? Si vous voulez, bien sûr, le plan rhétorique, verbalement, oui. Mais sur le plan pratique, MONUSCO ne le fait pas. C'est pour vous dire, c'est juste pour confirmer que les complots contre la République démocratique du Congo est vraiment vaste. Même la MONUSCO qui est devenue aujourd'hui les gendarmes de la communauté internationale pour aider tous les mafieux de s'installer à l'est de la République démocratique du Congo et de piller les minerais du sol et du sous-sol de la République démocratique du Congo en y versant beaucoup de sang de la population, de la paisible population congolaise. Moi, je pense que je reviens et je le répète, ce que je venais de dire tantôt, que le complot est vaste. Nous devons nous lever, nous devons nous prendre en charge. D'où l'option de la guerre devient inévitable. Nous devons répliquer, puisque si nous pouvons dire qu'on ne peut pas répliquer, on ne peut pas... Mais pendant ce temps, on nous tue à Kishishi. Pas plus tard que le dimanche, le mouvement M23 a tenté encore d'attaquer une des positions des FARDC. Mais le FARDC a riposté. Il y a eu beaucoup de pertes en vie humaine. J'ai suivi tout à l'heure, c'était la déclaration, comment on appelle ça, faite par le porte-parole des FARDC dans ce coin du pays. Mm-hmm. C'est pour vous dire que ces gens, malgré tout ce que, malgré les résolutions, la feuille de route signée récemment à Nairobi, tout ça, c'est du bluff. C'est une distraction de mauvais goût que le président de la République, comme on l'a dit, nous sommes des États non alignés. Si la France refuse de nous vendre les armes, qu'on achète les armes auprès de la Russie, puisque nous n'appartenons ni au bloc de l'Est, ni au bloc de l'Ouest. Nous n'appartenons à aucun bloc. Nous ne sommes pas dans le bloc de l'Ouest parce que nous avons prôné les valeurs des États-Unis, notamment la démocratie, la liberté d'expression. Je vais te rappeler, Dan, qu'en ce qui concerne les relations entre les États, nous ne sommes pas des amis, nous n'avons que des intérêts. Et un pays pour bien se faire respecter, elle a besoin de son moyen ou de ses moyens de défense ou de sécurité. Et nous n'avons pas la technologie adéquate pour fabriquer les armes pour défendre notre pays aujourd'hui. Nous ne pouvons que recourir à ceux qui ont la technologie, ceux qui en fabriquent de bonne qualité. Et aujourd'hui, nous sommes sous le régime de la notification. Donc, nous ne pouvons pas acheter les armes si la France ou encore la communauté internationale n'a pas encore regardé quelles sont les armes que vous avez achetées. Ce sont des armes qui rendent votre armée forte. On vous dit non, on ne le fait pas. Nous avons, pour preuve, nous avons un avion qui, jusque-là, est bloqué en France. Un avion qui était parti prendre des équipements militaires en provenance venant de la Turquie. Cet avion est cloué sur le sol français. Je crois l'aéroport militaire, j'ai encore oublié le nom. C'est bloqué là-bas. Et là, j'apprends que Emmanuel Macron envisage une visite en République démocratique du Congo. Monsieur, ne t'hasarde pas parce que nous allons bien te recevoir et tu regretteras pourquoi tu as mis tes pieds ici en République démocratique du Congo. Surtout quelque chose. Maître Bamana, nous allons poursuivre. J'aime bien la rhétorique que vous adoptez. Oui. Le 24 décembre, c'est l'enrôlement qui va commencer dans les sites qui sont déjà choisis. On voit déjà les messages dans les réseaux sociaux. Partout, on appelle tout le monde à aller s'enrôler.
Mais toujours est-il que la partie est, il y a des zones qui sont occupées, notamment Bounagana, Rutshuru. Il y a ces zones-là sont occupées par les M23. Alors, quand sera-t-il au moment où il sera maintenant question d'enrôler ces populations? D'abord, premièrement, qui se sont déplacées, qui ne sont pas dans leur milieu. Deuxièmement, ce sont les M23 qui sont investis là-bas. Comment ça peut se passer dans ce coin-là? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Merci beaucoup. Je voulais d'abord prendre les volets techniques. Puisque les calendriers publiés par la CENI, récemment publiés, c'est un calendrier réaliste, mais aussi contraignant. Ça veut dire quoi? Réaliste parce que sur le plan technique, il y a déjà des avancées significatives. Il y a eu le repérage qui avait été déjà fait. Il y a eu les calendriers, comment on appelle ça, la cartographie électorale qui est déjà mise en place et qui était en train d'être consolidée, mais je pense que c'est déjà fini. Donc on ne peut plus parler de la consolidation, je pense. L'argent sur les 600 millions, ils avaient déjà perçu quelque chose de, je crois, 60 ou 80% déjà de cet argent. Ils ont pu acheter des kits électoraux. En Corée du Sud, avec les fabricants Mirou. Le premier lot de ces kits a été déjà livré ici en République démocratique du Congo. La formation des agents, ils doivent être lancés sur le terrain, continue. Et ils sont suffisamment avancés dans ce programme-là. Il reste maintenant une opération de grande envergure. Parmi l'une des opérations de grande envergure, nous avons l'opération qu'on appelle la RFE, la révision du fichier électoral. Cette révision du fichier électoral consiste à quoi? C'est à enrôler tout le monde. Sur la cartographie électorale, on sait que par exemple, il y a autant de villages, on va lancer des agents. Regroupement, circonscription, territoire, on va lancer les agents de la CENI qui vont aller pour enrôler. C'est ce qu'on appelle RFE, révision du fichier électoral. À l'issue, l'opération à l'issue de laquelle chaque enrôlé va obtenir sa carte d'électeur pour se préparer aux échéances du 20 décembre prochain. Si vous voulez dire aux élections du 20 décembre prochain. Donc, c'est déjà une opération très importante qui est déjà lancée. Ça prendra le temps que ça va prendre, puisque les équipes sont suffisamment formées et ils vont se déployer sur le terrain. Bientôt, il faudra déployer les Il kits. y aura après cela. Bon, je ne vais pas aborder d'autres opérations telles que les BTC et les bureaux de vote et pour chiter dans ce qu'on appelle les CELSER. Je ne vais pas aborder, mais restons d'abord sur l'opération sur laquelle les yeux de tous sont focalisés. D'accord. L'opération, c'est laquelle? C'est l'opération d'enrôlement. Mais c'est une opération qui va se faire concomitamment avec une autre opération de l'ONIB qui est l'opération de recensement. Ah, c'est une très très bonne nouvelle. Oh, oui. Comment ces populations, j'en viens à ma question, comment ces populations qui sont dans ces territoires qui sont occupés vont-elles être identifiées et s'enrôler en même temps? Parce que Voilà. bientôt les kits doivent être déployés dans chaque coin et recoin du pays. Comment ces kits vont-ils d'abord être déployés dans ces espaces où les M23 sont en train de... Voilà pourquoi je vous avais dit que je vais aborder votre question sous deux volets. En parlant d'un calendrier réaliste, c'est le premier volet que j'ai abordé. Et aussi contraignant, c'est le deuxième volet que je veux maintenant aborder. Et ce deuxième volet, sa mission, donc, consiste à quoi? Consiste à interpeller la conscience et la responsabilité de tous les Congolais, de la population congolaise en général et surtout des politiques en particulier. Ça veut dire quoi? Vous venez déjà d'aborder une partie de ma réponse, si vous voulez bien d'en parler. Nous avons une partie du territoire national qui est sous le contrôle de l'ennemi. Or, les partis politiques aujourd'hui veulent compétir sur toute l'étendue de la République. Il y en a qui veulent devenir ou qui vont aligner un candidat président de la République. La circonscription électorale d'un candidat président de la République ou bien d'un président de la République, c'est l'étendue de tout le pays, la République dans son ensemble.
C'est ça la circonscription électorale du président de la République. Le président de la République peut se décider aujourd'hui, même s'il s'est fait enrôler à Kinshasa ici, il peut aller voter à Lubumbashi. Personne ne va lui empêcher. Puisque c'est sa circonscription électorale. C'est l'étendue de la République. Mais quant aux députés nationaux, si vous voulez bien l'élection législative, les circonscriptions électorales sont les territoires. Maintenant, la question où la question se rapporta aux contraintes ici, c'est quoi? C'est parce que les partis politiques et les politiciens qui soient de l'opposition ou encore du pouvoir auront du mal à aligner des candidats dans les territoires occupés. Donc il n'y aura pas. Ça veut dire que on ne peut pas envoyer que ce soit les kits. Donc le moyen technique, on ne peut pas les envoyer sur ce territoire-là. Même les agents, on ne peut pas les envoyer. Donc cette partie sera isolée. Je ne vais pas, moi, faire des propositions allant dans ce sens-là. Puisque isoler cette partie-là, le président qui sera élu... Un peu comme en 2018. Le président qui sera élu... Benny Boutembo. Le président qui sera élu sur quel territoire? Vous voyez? Or, je dis bien... Le président de la République a pour circonscription électorale... L'ensemble du pays. L'ensemble du pays. L'ensemble étendu de la République. On se souvient en 2018 que le président Tshisekedi n'avait pas... Je veux dire, les élections n'ont pas eu lieu dans ces coins. Il y a même Yumbi. Il n'y a pas eu élection là-bas. C'était isolé. On peut faire le même schéma aujourd'hui. Oui, oui, mais je vous dis que Yumbi aujourd'hui a des députés. Yumbi n'a pas de députés. Il a des députés. Bien sûr. Pour les élections, comment on appelle ça, législatives, la centrale où les techniciens en matière électorale avaient pu retarder. Donc, il a eu à organiser ces élections-là après. Mais ici, nous avons l'élection la plus importante, qui est l'élection du président, ou le scrutin le plus important, qui est le scrutin du président de la République. Donc, j'en appelle ici au bon sens, au sens élevé du patriotisme de tous les Congolais, de tous bords, de tous côtés, et surtout les politiques ou les politiciens. Je pense qu'il est temps que nous puissions réfléchir sur des meilleures propositions à faire quant à l'organisation des élections à venir. Puisque nous ne ferons pas... Vous appelez les élections. Vous appelez un dialogue. Moi, je n'appelle pas au dialogue. Je n'appelle pas au dialogue. Puisque j'ai rappelé ici que le calendrier publié par la CENI et les réalistes sont aussi contraignants. Les contraintes peuvent faire que les élections soient retardées. Pour des raisons que je viens de lucider ici en partie sur votre plateau. Donc, que les Congolais, nous puissions nous en passer, faire un peu un sursaut patriotique, oublier un peu, mettre un peu notre... orgueil de côté, et voir les intérêts supérieurs de la nation ou l'intérêt supérieur de la nation pour que nous ayons des bonnes élections. Puisque si nous n'avons pas ces élections dans des conditions que vous venez d'évoquer tout à l'heure, ça sera des contestations et des contestations. Ça n'apportera pas la paix. Merci beaucoup, Maître Damanaï, sur cette question. Mais avant de finir, une dernière question. Oui. Certains pensent que je vais prendre aussi les. L'exemple de l'ancien président français, il disait, Jacques Chirac, qui disait que les élections sont un luxe pour les Africains. Les élections sont un luxe pour les Africains. En d'autres termes, les Africains sont pauvres, ce qui est luxe, ce qui est coûteux. Alors, certains proposent pour pallier à ça les élections indirectes, c'est-à-dire voter à travers les députés nationaux. Pourquoi ne pas choisir aussi ce mode de vote? Ça réduirait les problèmes, les contraintes seront pratiquement évitées. Merci beaucoup, Dan. Vous savez, quand vous proposez de telles choses, sachez que vous faites bouger même les instruments juridiques du pays, notamment. Moi. Non, non, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils proposent, c'est là. Ouais. Donc, vous dérangez même les instruments juridiques du pays, notamment la loi fondamentale. Puisque la constitution de la République démocratique du Congo dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct. Ce qu'il propose là, il propose le suffrage universel indirect. Ça ne sera pas violer la constitution. Et vous voulez qu'après, demain après demain, que vous veniez décrier, non, le président de la République a violé la constitution. Donc vous voulez qu'on puisse modifier la constitution, qu'on puisse faire des référendums. Est-ce que nous avons le temps pour cela?
Donc, lorsqu'on propose quelque chose, il faut avoir d'abord le temps de réfléchir. Quels sont les mécanismes? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour obtenir le résultat, pour atteindre ce que nous sommes en train de faire comme proposition? Donc, vous voulez qu'on change la proposition, et pardon, la constitution. Mais s'il faut changer la constitution, ou bien s'il faut la modifier, ou si vous voulez bien, puisqu'il y a des dispositions qui sont verrouillées, qui nécessitent carrément d'aller consulter les souverains primaires par le référendum. Merci beaucoup. Peut-être que j'ai été un peu trop technique, mais ça va. Ne sais pas si je peux quand même répondre à vos dispositions. Oui. Je pense que les Congolais de tous bords, les politiciens des divers camps, nous devons réfléchir quant à l'organisation des élections de notre pays. Les techniciens ou la centrale électorale a produit son calendrier. Mais maintenant, réfléchissons pour que ensemble nous puissions avoir des bonnes élections. C'est vrai que nous ne dirons pas que ça ne sera pas contesté, mais que ça soit quand même acceptable. Merci Maître Bamanaï. Comme je l'ai dit au début de l'émission, nous allons aborder deux sujets. Le deuxième sujet, c'est le sommet États-Unis-Afrique. Alors, on va se souvenir que, en tout cas, il y a une sorte de rupture des relations diplomatiques entre l'Afrique et les États-Unis avec le président Donald Trump, qui s'était même hasardé en 2018 à traiter les Africains de pays de merde. Et aujourd'hui, la politique, avec le changement du président américain Joe Biden, veut renouer avec les relations avec les Africains, d'où le sommet Afrique-États-Unis, le premier depuis 2014 sous Barack Obama. La question qu'on se pose, Maître Bamana, est celle de savoir, est-ce que les États-Unis ont-ils pris du retard par rapport à la Chine, par rapport à la Russie ou encore à l'Inde qui est en train de prendre aussi de l'espace en Afrique? Est-ce qu'ils ont pris du retard? Merci beaucoup, Dan. Je voulais répondre à ta question en disant ceci. En rappelant, pardon, ceci. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la mondialisation, ça veut dire que le monde devient un village planétaire. Et en tant que tel, nous sommes appelés à vivre, à ne pas vivre en vase clos ou en autarcie. Puisque si je peux prendre un exemple, les micros que vous avez mis, que j'utilise devant moi ici, ce n'est pas la RDC qui l'a fabriqué. Il y a eu des échanges commerciaux entre la RDC et le pays fabricant de ces micros. Donc, si pour les micros, nous devons acheter à l'extérieur, donc il y a aussi beaucoup de choses que nous devons acheter à l'extérieur. Et nous sommes appelés en tant que tels à vivre en harmonie avec beaucoup de pays, et surtout dans le domaine commercial, je pense que cela vaut vraiment son pesant d'or. Donc, la convocation de ces sommets États-Unis-Afrique a son importance au sein de la société congolaise. Moi ici, je ne vais pas ramasser toute l'Afrique, mais je vais parler beaucoup plus de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Regarde, nous sommes un pays. En termes de forêts, nous sommes le deuxième poumon mondial. Après l'Amazonie, c'est nous. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'avec tout ce que nous avons comme arbres qui nous passent, des grumes qui passent sur les camions, si tout à l'heure vous allez vers les Beach Ngobila ici, vous verrez des grumes qui continuent à venir. Si vous prenez la route vers l'aéroport, vous verrez les grumes qui continuent à venir. Si vous vous mettez vers la cité Maman Mobutu, cité Matadi Kibala, vous allez compter le nombre de camions grumiers qui vous transportent des grumes pour amener à l'extérieur du pays. Mais nous sommes incapables de fabriquer la cure dans ici. Est-ce que vous pouvez imaginer? Quel contraste. Vous comprenez? On exporte. Pardon, on importe, pardon, la cure. C'est pas possible. Est-ce que dans un pays des êtres normaux, les choses peuvent se passer comme ça? Nous avons des palmiers ici. Est-ce que vous savez que l'huile que Massavko utilise, même l'huile de palme, l'huile de palme qui est vendue ici pour la plupart, ça provient d'où? De l'Indonésie.
La faute à qui? La faute à qui? À vous, les intellectuels. Les intellectuels, oui. À l'université. Les intellectuels, oui. Mais je dirais aussi que quelque part, les puissances économiques, si vous voulez bien, industrielles, ont dit travailler avec des gens avec qui ils avaient donné des instructions que vous ne pouvez pas traverser la ligne rouge. La ligne rouge, pour moi ici, qu'est-ce que j'entends par la ligne rouge? Vous ne pouvez pas permettre l'industrialisation de vos pays. Vous comprenez? Donc, si vous devrez avoir des produits manufacturés, si vous devrez fabriquer des choses, il faut vous limiter à des choses qui ne vont pas empêcher aux puissances économiques de pouvoir être toujours à vos trousses pour vous fournir les nécessaires ou bien ce dont vous avez besoin à tout moment. Vous comprenez? Mais je pense que avec la révolution ou la nouvelle façon de voir les choses, des dirigeants, de certains dirigeants africains qui réfléchissent au moins, qui les disent à haute voix, entre autres, notre chef de l'État, vous avez pour preuve, nous avons de l'or ici. Depuis des années, notre or était toujours, comment on appelle ça, cette opération, c'est quoi? Le raffinage. Raffiné, au Rwanda. C'est à peine que nous venons de construire une usine de raffinerie d'or, ouais, au sud Kivu. Depuis tout ce temps, on était où? Depuis tout ce temps, on était où? Même les entreprises que le régime de 18 ans de triste mémoire a trouvé sur place. Dans les États-Unis. Il les a tués par asphyxie. Je peux vous donner les exemples. L'AMIBA, n'en parlons pas. L'AMIBA, c'est depuis Moussa Laurent Désiré Kabila. Donc, il a promis de relever l'AMIBA. Aujourd'hui, on se Il est demande. En train de travailler, papa, je vous dis que... C'était une promesse qu'il a faite. Oui, c'est une promesse. Il n'est pas encore arrivé à la fin de son premier mandat qui est le quinquennat. À part donc, ça, il y a la chute de Katende. Oui, oui. Kakobo Lavier. Pour votre information, lors de son speech dernier devant les deux chambres de parlement réunies en congrès, il a dit que Kakobo, là, les travaux viennent de se terminer et il reste maintenant seulement la construction des lignes de transport. Ça ne veut pas dire qu'on va envoyer des camions remorques pour aller prendre de l'énergie électrique et envoyer aux gens. Non, non, ce sont des pylônes qui seront traversés par des câbles électriques de ce qu'on appelle haute tension qui vont ramener le courant dans les différents coins pour lesquels ces barrages ont été construits ou ont été construits. Et qu'attendez, on continue à faire des travaux. Donc, ça veut dire tout simplement que le temps, c'est vrai. Port en eau profonde de banane. Port en eau profonde de banane, il avait posé la pierre. Mais dernièrement, quand il est allé là-bas, les machines tournent. Maintenant, les chantiers sont maintenant opérationnels. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que... L'Emba Imbu, oui. Vous parlez de comment on appelle ça, de la production énergétique. Énergétique. Mais je vous rassure que l'Emba Imbu, le président, lors de son speech, lors de son adresse dernière, il a bien dit qu'il a inauguré cette usine. Mais il a bien précisé que la partie opérationnelle, qui est opérationnelle actuellement, est de 35% sur le 100% de tout ce que l'usine doit fournir. Il a parlé de l'usine de Kinsuka, ici derrière les camps de Tchatch, vers ce qu'on appelle Nzela Mai, dont les travaux sont déjà à 94% déjà achevés. Il a parlé de l'usine de production d'Enjili, dont les travaux sont suffisamment avancés. On est déjà à 90% des travaux. Donc, toutes ces usines de production d'eau, une fois les travaux totalement finis, je pense qu'on peut oublier cette histoire des coupures d'eau. Et du côté énergie, il a parlé du barrage de l'autre. Les barrages de Katende. Maître, aujourd'hui, on peut se dire que dans notre partenariat avec les États-Unis, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui des Américains? Ces Américains qui seraient derrière les Rwandais, qu'est-ce que les Américains peuvent-ils apporter aujourd'hui de concret aux Congolais, par exemple? Alors, vous pensez que moi, je sais déjà ce que les États-Unis vont nous dire. Non, non. Ce sommet a été convoqué par les États-Unis. Ce sommet concerne les États-Unis et l'Afrique, et les continents africains. Donc, les États-Unis ont quelque chose à dire aux Africains. Je crois que nous sommes d'accord avec vous. Oui. Qu'est-ce que les États-Unis vont nous dire? Est-ce que cela va aller dans le sens d'amener le développement, de créer des climats pouvant permettre aux Africains de vivre dans les conditions les plus meilleures et surtout de vivre à l'abri des crépitements des balles et surtout des insécurités qui sont causées ça et là par des multinationales qui sont des occidentaux, qui sont derrière certains États voyous tels que le Rwanda, l'Ouganda, avec leurs chefs d'État qui sont des voyous.
Non, non, je ne mâche pas des mots ici. Vous allez m'excuser, peut-être que je suis un peu trop vieux. Oui, donc, nous devons demander à ces États-là de cesser leur soutien à ces autres États voyous d'Afrique, puisque l'Africain, c'est vraiment une sorte de marionnette qu'on utilise facilement. L'Africain aujourd'hui, c'est comme Caïn et Abel. Caïn avait la facilité de tuer son frère parce qu'il y avait quoi? La jalousie. Quelqu'un a dit, Nzambe Akei, Dieu est parti en Occident. Il a demandé aux Occidentaux, qu'est-ce que vous voulez que je puisse vous donner? Les Occidentaux ont dit à Dieu, ajoute-nous encore de l'intelligence pour que nous puissions encore aller de l'avant. Dieu descend en Asie, chez les Asiatiques, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, nous voyons ce que les autres sont en train de faire. Nous voulons aussi atteindre leur niveau et nous perfectionner aussi davantage. Et quand Dieu arrive en Afrique, il pose la question aux Africains, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Les Africains demandent, non, non, je vois que mon voisin est en train de prospérer, il faut le tuer, comme ça tu me laisses en vie, comme ça je serai seul maître du terrain. Vous voyez, quel raisonnement. Quel raisonnement. Oh, aujourd'hui, le monde tel que nous le vivons, tel que nous le voyons, c'est une synergie d'efforts. C'est une conjugaison d'efforts où les gens ont accepté de se mettre ensemble pour que les choses puissent aller de l'avant. N'est-ce pas un paternalisme? Vous avez un État qui appelle une quarantaine d'États. Oui. Est-ce qu'on peut réfléchir dans le sens inverse où nous avons un pays comme la RDC qui convoque sommet RDC, par exemple, Europe, sommet RDC, Asie. Est-ce qu'un jour ça pourra arriver? Vous pensez que ça peut arriver? Je pense que ça pourra arriver. Ici en Afrique, il n'y a pas eu un pays déjà qui l'a fait. L'Afrique du Sud n'a pas encore fait ça. Ou Égypte. Je souhaite que ça ne vienne pas, puisque là, ça sera vraiment une malédiction. C'est comme les Congolais qui, pendant une période, ils achetaient les occasions d'Europe, les voitures occasions d'Europe. Mais lorsqu'il y avait encore ces bateaux qu'on appelle... il y avait un bateau qui transportait des véhicules ici de l'autre côté, le bateau de l'Onatra, qui commençait à nous acheter même les occasions de Brazzaville. Vous savez, généralement, quand vous arrivez à Brazzaville, leurs voitures, les transports en commun, les moyens de transport en commun sont peints en vert pour les taxis et je crois en blanc pour le minibus ou bien les coasters si vous voulez bien. Mais chaque fois, on voyait des taxis d'occasion de Brazzaville, des voitures d'occasion de Brazzaville venir ici. Moi, je me disais, mais Seigneur, ça c'est quoi? C'est une malédiction ou quoi? En dehors d'acheter les occasions d'Europe, comment sont bâtis dans l'occasion à Brazzaville? Ça c'est quelle malédiction? Donc, je ne veux pas que cela puisse nous arriver, que nous commencions même à dépendre. Puisque ce que Kagame est en train de faire de l'autre côté, c'est comme si Kagame trouve qu'après la colonisation des Belges, il faut maintenant que lui aussi vienne coloniser la République démocratique du Congo. J'ai dit à Kagame tout de suite que monsieur, tu es en train de te tromper, tu es semblable à un cafard. Le cafard, quand il est en train de marcher sur le sol, on ne voit pas sa nudité. Mais lorsque, même la nuit, il est moins dérangeant et personne ne s'en occupe, seulement s'il vient monter sur votre lit. Mais lorsque le cafard commence à voler dans la chambre, non seulement qu'il dérange, il devient nuisible, mais aussi lorsqu'il déploie ses ailes, tout son corps est dehors. Donc, à Lingala, on dit « Bulumbu na enyo se bimi libanda ». Donc, Kagame, ne crois pas que parce que tu es insensé par une partie des Occidentaux et des multinationales, qui t'encensent, tu te vois en train de monter, mais sache-le que là où tu es en train de monter, les Congolais qui dormaient viennent de se réveiller, puisque les bruits que tes ailes suscitent dans la chambre amène tous les Congolais, Moutouna Moutoua Kamatali, Papanaye, pour un beau maillot Kagame. Un petit mot à tous les téléspectateurs qui nous ont accompagnés pendant l'année 2022, qui est en train de s'achever. Un petit mot pour ce soutien qu'ils nous apportent. À tous les téléspectateurs qui ont accompagné Congobèze TV, et qui par moments aussi nous ont accordé la chance d'être écoutés par eux ou d'être suivis par eux comme téléspectateurs. En tout cas, nous, personnellement, je vous suis gré. Et je vous demande de rester toujours fidèle à la ligne éditoriale de Congobèze TV et de faire confiance à ces talents qui sont recrutés ici. Sans flatterie, je fais aussi allusion à Dan Zeng.
Et au DG de la télé lui-même, c'est un garçon hyper intelligent. Aujourd'hui, pour preuve, aujourd'hui, il assume pas mal une série de responsabilités. Merci. Au pays. Sans oublier l'équipe technique qui est aussi des qualités et le moyen logistique qu'ils utilisent. Je vous dis que venir ici, se tenir sur ce plateau, ce n'est pas venir passer son temps ou une distraction inutile. Donc, je tiens à vous remercier. Je vais peut-être, avant qu'il me demande de dire le mot de la fin, ce que j'attends du sommet des États-Unis Afrique, c'est des résolutions qui vont amener l'Afrique à s'autonomiser et l'Afrique à devenir libre, choisir ses dirigeants librement, faire sa politique librement, se développer sans pour autant dépendre des puissances étrangères ou occidentales, puisque toutes les fois que les Africains voient en Europe, on les appelle des immigrés, ils viennent déranger. Alors arrêtez de déranger les immigrés en volant leurs minéraux, leurs richesses, et pour ensuite le maltraiter. Merci. Je remercie aussi l'organisation de ce sommet, si vous voulez bien, puisque là, c'est avec précision, je vous dis que les chefs de l'État congolais, Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, prendra la parole 3 fois à ce sommet. La première fois, ça sera au sommet ordinaire. Et la dernière fois, ça sera lui et le président américain Joe Biden. Il va sans doute titiller encore une fois. J'attends de lui de bonnes choses. J'aime tellement mon président. Là, c'est quand il devient Rangers. Quand il monte sur le plateau, quand il prend les micros, quand il est sur la chair, c'est les Rangers. Félix qui parle. Merci beaucoup. Et j'aime bien son aspect Rangers. Merci beaucoup. Merci énormément, Maître Eric Bamanaï, d'avoir répondu à notre invitation. Nous attendons des bonnes nouvelles des États-Unis. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci aussi de nous avoir accompagnés dans cette émission. On va se retrouver, nous espérons d'abord que vous avez aimé cette émission. On va se retrouver demain avec le même plaisir, dans ce même cadre, pour vous servir. À la prochaine, portez-vous bien. À demain. Wow. Bioherbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes, augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire, qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jaimesociety1@gmail.com.